Voilà, bonsoir à tous. Je suis Sandrine Fauché, je suis conférencière au Musée d'Orsay et c'est moi qui ai l'honneur cette année d'entamer cette saison autour de l'exposition sur Splendeur et misère, la prostitution au XIXe siècle. Et on va l'illustrer à travers un sujet un peu particulier, peut-être surprenant pour certains d'entre vous, qui est la prostitution chorégraphique, entre guillemets, c'est-à-dire ces danseuses de l'opéra qu'on va très très vite assimiler finalement à des prostituées. Alors on va se poser la question, mythe, réalité, est-ce qu'il y a une vraie réalité sociale derrière tout ça? On va essayer de répondre à la question. En 1881, Degas va présenter lors d'une exposition impressionniste, l'une des rares sculptures qu'il va exposer au public de son vivant, sinon la seule, la petite danseuse de 14 ans. Il avait quelque peu organisé le mystère, hein, il avait très peu parlé du sujet, et quand elle va être dévoilée, il y a un scandale immédiat qui qualifiera cette petite danseuse de bestiale et de vulgaire. Je ne sais pas si vous la trouvez bestiale et vulgaire, mais en tout cas, à cette époque-là, tout le monde est à peu près d'accord pour le dire. Voilà différentes critiques. Pourquoi son front est-il, comme ses lèvres, marqué d'un caractère si profondément vicieux? Quelle laideron, celle-là! J'espère bien qu'elle fera le rat à l'opéra plutôt que la chatte au bordel. C'est très clair. Alors nous ne la voyons pas comme ça parce qu'une danseuse aujourd'hui au XXe siècle n'est pas perçue de cette façon-là, mais c'est ce qu'on assimile à la danseuse à l'époque, c'est-à-dire une jeune femme sexuellement disponible, pour être un peu plus clair, une prostituée. La violence des observations en est le reflet, hein, vraiment l'image de cette vision qu'on va avoir de la petite danseuse de 14 ans et de la danseuse en général. Alors si on revient un petit peu plus sur l'histoire de la danse et du ballet, le ballet est venu d'Italie comme l'opéra, il a été créé au début du XVIe siècle et on en a hérité l'étymologie italienne puisque balletto, ballo, ballare, tout ça va nous donner le ballet. En 1661, il est institutionnalisé par Louis XIV qui va créer l'Académie de danse dans un premier temps et quelques années plus tard, 1669, l'Académie d'opéra. On va voir une fusion entre les deux institutions puisque la danse va être très rapidement absorbée par l'opéra avec quand même une tradition marquée puisque dans les opéras en France, il faudra forcément écrire un petit ballet. Cela coûtera très très cher à Wagner quelques siècles plus tard. En tout cas, le privilège est offert à un certain Perrin et finalement il le revend très très rapidement à Lully. Du ballet, de l'opéra, des artistes sur scène, mais pas de danseuses. Parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas de danseuses. Les femmes danseuses sont interdites sur scène, on n'aura que des danseurs travestis. Et finalement, là encore, il faut attendre Louis XIV qui va quelques années plus tard autoriser en 1681 les femmes à monter, à danser sur scène. Je ne parle que des danseuses, absolument pas des actrices ou des chanteuses. Et l'une des premières grandes danseuses de cette époque, c'est Mademoiselle de La Fontaine, autorisée donc dès 1681 à monter sur une scène. Elle figure encore aujourd'hui dans le foyer de l'Opéra de Paris, puisque cette image est tirée du foyer de l'Opéra de Paris. On l'appellera la reine des danseuses. Elle finira sa vie, comme beaucoup d'artistes de l'époque, au couvent, où elle se retire en 1693. L'institution va connaître plusieurs emplacements au cours de son histoire, et il y a une étape importante, c'est celle-ci, c'est l'installation de l'opéra près du Palais Royal, ici exactement, vous avez la façade en bas à droite de l'opéra, et à partir de ce moment-là, une véritable assimilation des danseuses aux prostituées, parce qu'il se trouve que le Palais Royal est quand même un des hauts lieux de la prostitution parisienne, d'ailleurs il est surnommé le marché aux putains. On ne peut pas être plus clair. Donc très rapidement, on va voir quand même un parallèle se mettre en place entre les filles qui dansent sur scène et celles qui vont se promener au Palais Royal et qui sont assez nombreuses. Ces prostituées hantaient les galeries tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle. L'autre chose qui va troubler finalement le public, c'est le fait que lorsque l'on est une danseuse et qu'on est inscrite au magasin de l'opéra, c'est-à-dire sur les registres des artistes de l'opéra, eh bien, on devient libre. C'est-à-dire que ces femmes qui étaient soumises à une autorité paternelle, fraternelle, masculine en général, eh bien, elles sont totalement dégagées à partir du moment où elles vont travailler pour l'opéra. Ça leur vaudra d'ailleurs d'être immédiatement relâchées par la police si jamais elles se font prendre dans une situation quelque peu compromettante. C'est-à-dire que finalement, son don
extraordinaire, parce qu'on ne vous demande pas de savoir danser, seulement par goût de la liberté, en vous inscrivant à l'opéra, eh bien vous êtes dégagé de l'autorité masculine. Et ces filles deviennent donc en fait des filles libres, des filles non soumises, et de là il n'y a qu'un pas pour dire que ce sont des filles, bien sûr, à la réputation quelque peu légère. Et voilà, l'assimilation se fait progressivement et on va commencer à voir ces jeunes femmes fréquenter les grands de ce monde et tout à coup avoir des aventures assez extraordinaires qu'on raconte dans le tout Paris. Et on reviendra tout au long de notre histoire sur cette mélancolie de cette époque où finalement on voudra tout cet âge d'or de la prostitution à l'opéra. Alors cette prostitution a aussi une localisation géographique à l'intérieur même de l'opéra. C'est ce qu'on appelle le foyer de la danse. Pourtant, Louis XVI avait essayé de garantir un petit peu la moralité de l'institution, puisqu'en 1774, il va interdire aux abonnés de pénétrer dans les coulisses de l'opéra du Palais Royal. C'est punaisé sur toutes les portes, mais malgré ça, eh bien, on va se laisser assez facilement déborder et on pourra donc aller dans ce foyer de la danse, à l'intérieur même du théâtre, pour rencontrer ces divinités que sont les danseuses. Les danseuses y reçoivent les hommages des spectateurs qui s'y rendent en foule, et chacun peut en liberté approcher de ces divinités. Et un homme va savoir faire de ce foyer de la danse le lieu où tout le monde veut accéder, c'est le docteur Véron, que vous voyez ici, qui a été nommé directeur de l'Opéra de Paris en 1831, il y restera pour une très courte période. À l'époque, cet opéra est situé rue Le Pelletier. Alors vous avez à gauche la salle qu'on a utilisée entre le Palais Royal et la rue Le Pelletier, c'est la salle Louvois, où il y a aussi un foyer, hein, bien sûr, de la danse obligatoire, qui est situé juste là, donc plutôt sur les bas-côtés du bâtiment, parallèle à la salle, ce qui permettait un accès quand même assez facilité, même si vous voyez bien qu'il faut passer quand même par les coulisses pour y aller. L'opéra Le Pelletier, que vous voyez ici, qui va être utilisé à partir de 1821, construit sur une partie, les emplacements de l'hôtel des Ducs de Choiseul, va aussi avoir bien sûr un foyer de la danse qui va avoir une situation géographique derrière la scène, hein, donc la façade, la salle, la scène et le foyer de la danse, et qui est accessible uniquement par la scène. Ça expliquera beaucoup des représentations que vous allez voir dans l'exposition que vous connaissez du musée d'Orsay, entre autres, puisqu'il y a un accès par un petit escalier et quelques dizaines de marches à descendre pour aller dans ce foyer. Et ce foyer, en fait, a été ouvert à l'intérieur même d'un ancien salon de l'hôtel des Ducs de Choiseul. Et on retrouve en fait les pilastres, les arcades, il y avait des restes des miroirs. Mais c'est un lieu dans l'ensemble qui est assez glauque, hein, nous diront les gens qui le fréquentent à l'époque, qui est divisé en deux par la hauteur, qui est assez sombre, mal éclairé et avec un mobilier assez défraîchi. Le buste de la Guimard, on en reparlera tout à l'heure, grande danseuse du XVIIIe siècle, grande coureuse d'hommes aussi, nous allons le voir. Et puis, on trouvait aussi dans cette salle une petite table vermoulue sur laquelle on va avoir le registre où les danseuses doivent signer, surveillées par le régisseur de la danse. On a quelques banquettes. Alors ici, ce sont plutôt des fauteuils qu'on vous montre, mais ce sont en fait des banquettes sur lesquelles on va pouvoir s'asseoir, discuter. Des bars, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le foyer de la danse, c'est un lieu où on devrait normalement s'échauffer. D'ailleurs, on le voit ici avec cette jeune fille qui fait une petite pirouette. Et puis, on va avoir ces danseuses qui vont arriver en groupe avec dans la main le petit arrosoir, hein, qui est l'attribut de la danseuse, l'arrosoir que vous avez beaucoup dans la peinture de Degas, ici, qui permet d'humidifier les planchers, qui évite que l'on glisse avec des chaussons qui sont faits en peau et qu'on va agrémenté d'une petite résine qu'on écrase sur le talon, ça évite de glisser. Donc on va s'accompagner du fameux petit arrosoir que l'on voit. Et puis on a aussi la présence dans ce foyer de personnages un peu plus surprenants, comme par exemple la mère à gauche ou la fille. On va voir que les mères et les sœurs sont très présentes dans le foyer. Ce sont des meubles, hein, au même titre que l'arrosoir, dragons des Hespérides chargés de ne pas veiller sur le trésor qui lui est confié, disait Charles de Boigne.
On y voit aussi les abonnés qui aussi ont un petit costume, hein, l'habit obligatoire, le haut de forme, et c'est une faveur d'y entrer. Donc pour pouvoir entrer dans le foyer, comme à Versailles en son temps, il faut avoir ses entrées, et c'est une prérogative. En général, elle n'est uniquement ouverte, il n'est couvert aux abonnés des 3 jours, c'est-à-dire des gens qui sont abonnés 3 fois par semaine pendant 1 an à l'opéra. En sachant qu'à cette époque-là, il n'y a que 3 représentations par semaine à l'opéra, le lundi, le mercredi et le vendredi. À cette condition-là, on va pouvoir y entrer. Donc la grande histoire du foyer, ce sont les années 1830 jusqu'aux années 1880. Vous ferez aussi un parallèle avec la tenue des danseuses. C'est comme par hasard le moment où la tenue de la danseuse va se fixer, c'est-à-dire que cette danseuse qui portait encore le grand habit de cour ou presque au XVIIIe siècle se dénude considérablement à cette période-là. Les jupes se raccourcissent, les jambes sont nues, il y a un grand décolleté et des bras nus. Ça n'est pas un hasard non plus, si c'est justement à cette époque-là que tout à coup on s'intéresse très fortement aux danseuses. C'est un lieu de rencontre illégitime, enfin d'union illégitime, mais un lieu de rencontre officiel et qui va devenir à la mode grâce au docteur Véron, qui saura très très bien l'utiliser comme moyen de gouvernement de son institution, donc notamment en autorisant ou n'autorisant pas l'accès. Il va céder au niveau de la politique, des journalistes, en permettant à certains d'y accéder, donc c'est vraiment un privilège. Alors on va y rencontrer des princes russes, on va y rencontrer des ténors, des ministres, le duc de Morny, hein, ne loupez pas sa place, et ces hommes, ces abonnés des 3 jours, c'est ceux que vous rencontrez aussi dans la salle, assis sur les 3 premières rangées d'orchestre, puisqu'elles lui sont réservées, elles leur sont réservées. Vous noterez aussi que c'est là, la plupart du temps, que Degas a pris l'habitude de nous asseoir, nous spectateurs de ces tableaux, puisque généralement, lorsqu'on est spectateur dans la salle, il nous assoit sur ces 3 premières rangées, ce qui n'est pas à Dodin. C'est la meilleure place pour reluquer les gambettes des jeunes danseuses, hein, en fait. C'est la place la plus agréable pour se faire. Donc le docteur Véron l'utilise, hein, vraiment comme un grand moyen de gouvernement, ce foyer, et on va pouvoir s'y rendre très facilement à l'issue des différentes représentations. D'ailleurs, l'administration de l'opéra va commander à Eugène Lamy cette représentation où vous voyez poser les différents grands personnages de cette époque. Alors, des danseuses comme Fanny Esler, qui est très connue pour avoir été la maîtresse du duc de Reichstadt, hein, l'Aiglon, dont on raconte d'ailleurs l'aventure dans la pièce de Rostand. Vous avez aussi le buste de la Guimard, toujours présent, les directeurs qui sont présents, les grands de ce monde, les artistes comme Alfred de Musset, etc., etc. Donc, tous vont se rendre donner rendez-vous. C'est à ce moment-là que le terme de danseuse prend une connotation péjorative. Avoir une danseuse, avoir une passion qui coûte cher. C'est là aussi qu'on va avoir les plaisanteries grivoises, le fameux pampan cucu, qui a certainement donné le nom du tutu. Et puis aussi les bons mots qui se répètent dans la presse, comme par exemple pour Eugénie Fiocre, qui est engagée à l'époque, le duc de Morny, grand fréquentateur, grand abonné de l'opéra. Eugénie Fiocre, ici, que vous voyez dans le rôle de l'amour, elle joue dans Psyché l'amour, et on pourra donc dire dans le foyer et répéter dans la presse, avez-vous vu Mademoiselle Fiocre faire l'amour dans Psyché ? Donc c'est vraiment le lieu de toutes les plaisanteries grivoises. Alors, peut-être aussi, pensez-vous que j'exagère un petit peu, est-ce qu'il y en a, il s'agit vraiment de prostituées. On se pose la question dès le XVIIIe siècle. Vous savez tout, à peu près toutes ces grandes étoiles de l'opéra, comme Madame Bigottini. Madame de Rémusat, qui ne fréquentait pas le foyer de la danse, disait « On ne va plus à l'opéra que pour entendre les jambes de Mademoiselle Bigottini, Mademoiselle Malfleuroy et Mademoiselle de Chevigny. » C'est l'époque où la danse, tout à coup, prend le pas sur l'opéra. C'est Mademoiselle Maflora, une des plus adulées, qui avait accepté 100 000 francs par mois du prince Pinatelli et 400 000 francs de rente d'un Espagnol, l'amiral Mazzaredo. Un banquier français payait 100 000 francs par an le bonheur de s'asseoir à côté d'elle pendant ses repas. Échange commercial, même si la définition de la prostitution est souvent floue, il n'empêche qu'on a quand même un échange commercial assez net. À partir du Second Empire, là, on va avoir des vraies accusations de prostitution qui vont naître, qui sont liées en fait à la,
à la littérature réaliste en particulier, et une œuvre comme Les Petites Cardinales, écrite par Halévy, grand ami de Degas, et qui raconte purement et simplement les tractations d'une mère pour vendre à l'abonné le plus offrant ses petites filles, danseuses à l'opéra. Le but, c'est d'installer au mieux la famille, de louer un appartement pour toute la famille, etc., etc. L'opéra s'est installé à l'Opéra Garnier en 1875. À partir de ce moment-là, on va faire place nette. On interdit à tout artiste autre que les danseuses à se rendre dans le foyer. Donc uniquement les danseuses pourront y aller. Et petit à petit, on se rend compte que le foyer devient aussi une mesure disciplinaire. C'est-à-dire que une danseuse prise en faute va être punie d'une amende. C'est la règle au théâtre, on reçoit des amendes à peu près pour tout. Mais aussi, on va les punir progressivement en leur refusant l'accès au foyer. Ça devient un point très très important. Donc c'est un moyen de pression financière qui montre bien qu'il y a un échange financier dans le foyer ou avec l'accès au foyer. Au XIXe siècle, les petites filles qui vont rentrer à l'opéra sont d'origine très modeste. Elles vont d'abord faire leur classe pendant 4 à 6 ans. Elles ne gagneront que quelques francs, parce que le nerf de la guerre, il est bien là. C'est le traitement salarial extrêmement faible et bas de ces danseuses. Elles ne gagnent que quelques francs pour figurer dans les spectacles. Puis elles monteront dans le corps de ballet et gagneront quelque argent au fur et à mesure, mais jamais beaucoup, puisque le salaire d'une danseuse va osciller entre 600 francs et 800 francs par an. Quand vous serez étoile, le terme étoile est très tardif, hein, pas avant les années 30, mais là, vous gagnerez un petit peu d'argent. De toute façon, ce sera toujours moitié moins qu'une chanteuse à l'opéra. Donc le traitement des danseuses est très, très inférieur. Hein. Un jour où le docteur Véron félicitait une maman pour la beauté de sa petite fille qui devenait de plus en plus belle, cette dernière lui répond « Nous sommes bien malheureuses pourtant et je la donne à qui veut seulement pour la nourriture ». S'il ne s'agit pas de prostitution, je ne vois pas de quoi il s'agit. Les Goncourt, l'opéra ne leur donne que 600 francs par an. Une des raisons qui les empêche d'être bien entretenues, c'est que dans la rue, sans la gaze et les costumes, elles font peu d'effet. Il faut qu'on soit prévenu pour les trouver jolies, elles sont généralement des beautés de rente. Les danseuses mal payées ne peuvent pas exercer de métier à l'extérieur. Quand vous êtes chanteuse, quand vous êtes musicien, vous allez pouvoir obtenir des cours, des leçons à l'extérieur de l'opéra. Ça n'est pas le cas d'une danseuse, parce que la danseuse est assimilée à une fille de mauvaise vie et jamais une maman ne confiera sa petite fille à des danseuses, hein, pour des cours de maintien, par exemple. Sophie Arnoux disait « Le foyer de l'opéra était alors le bazar général de l'amour. Ces demoiselles y recevaient leur adorateur avec le laisser-aller d'un costume bien souvent à rapprocher de celui d'Ève. » La jeunesse aussi est à remarquer, on en reparlera, mais elles sont très très jeunes, hein, ces jeunes filles qu'on va retrouver à l'opéra. Ici, vous avez la danseuse d'opéra sur son canapé attendant l'abonné le soir à droite et puis faisant la vaisselle. C'est le rare apport financier qu'on puisse avoir. Et bien sûr, le foyer de la danse qui va être à portée de la main et qui va permettre de gagner quelque argent. Au début du 19e siècle, il y a un magazine anonyme publié à Genève, ça s'appelle « Le monde de l'amour ». Qu'est-ce que le monde de l'amour ? Ce sont en fait le nom qu'on va donner aux coulisses de l'opéra. Et il met les censeurs au défi de ne pas être trop effarouchés. Il ne fait aucune distinction entre lorette, grisette et danseuse. Il met tout le monde dans le même panier. Pour lui, tout ça, c'est de la prostitution. Je vais faire une excursion dans le monde d'amour qui a pour capitale l'opéra et pour ville principale à Paris, le Palais Royal, le Vaudeville et les variétés. Dans les beaux jours de l'opéra, une danseuse avait plus de diamants que 20 duchesses. Elle avait des amants qui mettaient à leurs pieds des fortunes royales. Aujourd'hui, on les loue à l'année, au mois, à l'heure. Il s'agit de prostitution. Alors, on peut aussi tout à fait nuancer la vision, hein, de cette vision. Pour beaucoup d'autres, les danseuses sont trop bourgeoises. Elles sont raccompagnées par leur mère chaque soir et elles vont à la messe tous les dimanches. Vous verrez en visitant l'exposition que c'est un trait aussi de la prostituée, qui est très pieuse. C'est remarqué par tous les policiers de la fameuse police des mœurs. Le 13 octobre 1920, grève des tutus à l'Opéra de Paris. Les danseuses réclament un traitement plus important. Le directeur de l'époque, M. Roucher, leur répond « Mais mesdemoiselles, vous avez le foyer ». Avec ces quelques mots, l'administration de l'opéra devenait proxénète avouée
des danseuses, qui créent quand même quelques petits remous. Donc il s'agit bien de prostitution, même si la prostitution peut être vue de façon différente. Alors, il y a quelques histoires importantes dans le foyer. La question qui se pose quand même à chaque fois, ce sont les sources. Où trouver les sources de ces histoires ? Les directeurs d'opéra ont très peu écrit. Le docteur Véron, oui, a publié ses mémoires. Un autre directeur de l'opéra qui s'appelle Nostor Roqueplan va publier des mémoires en 1855. Dans l'ensemble, ce n'est pas très croustillant, c'est même carrément ennuyeux, pour être honnête, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à divulguer des secrets d'alcôve. Les danseuses qui publient leurs souvenirs, pareil, sont assez avares en détails et généralement ont tendance à édulcorer la réalité. C'est le cas de Cléone Mérode, dont il faut prendre les écrits avec beaucoup, beaucoup de précautions. Notamment, elle édulcore beaucoup, mais il semblerait aussi qu'elle arrange à son avantage beaucoup la réalité. L'art pictural va nous donner un témoignage, mais là aussi c'est un témoignage orienté. En haut à droite, vous avez la vision plutôt romantique du foyer de l'opéra par Eugène Lamy, qui va vraiment peindre la danseuse romantique, ses grandes heures, ses belles expériences. Degas, en dessous, bien connu aussi, qui s'intéresse plutôt au travail de la danseuse, aux cours, aux répétitions, aux salles de danse, qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions aussi, puisque topographiquement, l'opéra de Degas est très, très curieux. On a beaucoup de mal à le reconnaître, et pour cause, il envoie un petit mot à l'administration en 1875 qui dit en gros « Pourrais-je avoir accès aux salles de répétition ? Moi qui ai tellement peint des salles de répétition, j'aimerais au moins en voir une fois dans ma vie. » Donc on peut se demander comment il peint ces salles de répétition avant 1875. Degas n'est devenu abonné de l'opéra qu'en 1885, abonné des trois jours. Donc attention à la topographie. Et puis le dernier, c'est Jean-Louis Forain. Vous avez déjà vu dans le diaporama quelques images. Lui, il va donner une image vraiment très noire, très, très glauque, avec des abonnés assez abjects. Donc quelque chose qui est de l'ordre de la brutalité. Où est la vérité ? Je pense que c'est un petit peu un symbiose des trois, il faut un petit peu mélanger. Chacun a sa vérité, mais la vision objective, elle est plutôt un mélange un peu de ces trois visions. En tout cas, il y a des grandes histoires de foyers de la danse. Un exemple, j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres, mais voilà, on n'a pas beaucoup de temps. Je me suis concentrée sur la Guimard. C'est celle que vous avez vue en bas, en buste, dans le fameux foyer de la salle Le Pelletier. Grande danseuse du 18e siècle, elle est décédée en 1816, donc c'est la danseuse du siècle de Louis XV, du règne de Louis XV. On l'appelait la squelette des grâces, parce qu'elle était un petit peu mince. À une époque, il vaut mieux être un peu plus ronde. Et elle était surtout connue pour avoir des succès en amour plus qu'en danse. Elle sera notamment l'amie de cœur du prince de Soubise, que vous avez à droite, qui l'invitera à danser dans son théâtre privé de Pantin, une orgie dramatique que Véron, Louis XV, accompagné de la du Barry. Louis XV, d'ailleurs, lui fera bénéficier d'un brevet de 1500 livres par an, tandis qu'elle reçoit 72 000 de rente par an du prince de Soubise. Tout ça lui permettra même de construire un hôtel particulier, commandé à Ledoux, qui sera rue de la Chaussée d'Antin. Et clin d'œil de l'histoire, cet hôtel particulier qui n'existe plus, se trouvait en fait à peu près à l'emplacement du foyer de la danse de l'Opéra aujourd'hui. Retour de bâton. Alors elle finira là aussi par s'en débarrasser, puisque le prince de Soubise finira par la quitter en 1796, et son ami de cœur ne sera pas, bien sûr, à la hauteur d'un tel luxe. De ces grandes histoires d'amour, on restera toujours très mélancolique. Et quand l'opéra s'installera dans le foyer de la rue Le Pelletier en 1821, on n'est déjà plus du tout dans le même type d'histoire avec ces danseuses. D'ailleurs, le nouveau théâtre ne plaît pas tellement aux danseuses. Et pour cause, on a oublié la porte de communication vers le foyer de la danse. Il n'y a pas de moyen pour les abonnés de se rendre de la salle, des espaces publics, vers le foyer de la danse. L'opéra est ouvert le 16 août 1821. Le 19 août, on peut lire dans la presse un article des danseuses. « Nous sommes réduites à danser uniquement pour le public. Les applaudissements du parterre ne valent pas, vous pouvez m'en croire, les témoignages de contentement qui étaient le prix de nos succès. Unissez vos efforts aux nôtres, monsieur le rédacteur, pour obtenir que la bienheureuse petite porte soit rétablie. » Représenter à l'administration qu'il y a urgence, periculum in moro, et que le sort de nos voitures et de nos diamants en dépendent. C'est très clair, au moins,
C'est très honnête. Les danseuses vont obtenir très rapidement l'ouverture de la petite porte que je vous montrais tout à l'heure et finalement l'abandon des mesures de moralité, puisqu'il s'agissait bien de ça. En fermant le foyer aux abonnés, c'était une tentative pour redresser la réputation de ces gens d'âme. On a vu que ces hommes fréquentent le foyer des députés, M. Delouane, qui se fera connaître, on le verra dans le musée un peu plus tard, M. Fould, quelques grandes danseuses que vous avez là, malgré le côté extrêmement médiocre du lieu. Mais ce qui va marquer surtout la fréquentation du foyer de l'Opéra Le Pelletier, c'est que l'unique accès de ce foyer se fait via la scène. Donc on va se retrouver sur la scène avec tout un tas d'abonnés, ce qui est un des sujets récurrents de la peinture, que ce soit chez Florin, à gauche, où vous avez l'abonné en tenue qui attend dans les châssis sa danseuse qui sort de scène, avec le symbole, un des symboles de la prostitution, le bouquet de fleurs qu'on va offrir à ces demoiselles. Le chez Degas, on retrouve l'abonné caché derrière les frises du décor, les châssis de décor, et puis à Lévy, en grande discussion, derrière un décor. C'est la présence des abonnés s'explique par le fait qu'ils doivent traverser cette salle. Il y a beaucoup de monde sur la scène, journalistes, abonnés du théâtre, familiers de la direction, les maîtres des jeunes personnes du chant et de la danse. Le secrétaire général de l'opéra dira « J'ignore ce que l'art peut gagner à la présence des abonnés sur la scène, mais je sais bien ce que l'ensemble des représentations y perd. » Nous sommes en 1863. Déjà, à cette époque-là, certaines étoiles ne fréquentent plus le foyer et préfèrent recevoir chez elles. C'est le cas de Marie Taglioni, par exemple, connue pour être montée sur ses pointes. 1875, on ouvre l'Opéra Garnier. Un nouveau foyer de la danse, que vous voyez ici, va donc être organisé. Pour la première fois, il fait partie du concours de construction. Dans le cahier des charges de la construction, on demande un foyer de la danse. Le foyer de la danse, où peuvent s'exercer les danseuses, grâce à son plancher incliné comme la scène, est entouré de barres pour favoriser les échauffements, les exercices. Il n'est pas seulement destiné au personnel chorégraphique, c'est aussi un salon élégant pour le directeur qui en fait les honneurs à tous les étrangers de distinction qui viennent visiter l'opéra. Lieu de rendez-vous et de passe-temps des abonnés. Garnier n'avait jamais fréquenté les coulisses mondaines, mais il va avoir tout de suite cette idée d'intégrer le foyer de la danse dans la continuité de la salle, de la scène. La salle, la scène, le foyer de la danse, qui est un espace assez grand, assez beau, et qui en même temps dans le prolongement, puisque Garnier ne perd pas de vue l'aspect technique et pensait pouvoir organiser des perspectives grâce à ce foyer de la danse. Malgré ça, on n'en est pas très content. C'est pourtant un lieu absolument magnifique, mais on n'en est pas trop content parce qu'il est devenu extrêmement mondain. Normalement réservé uniquement aux abonnés des 3 jours, les abonnés des 2 jours n'y ont pas accès. Ça leur coûte en fait 2200 francs. C'est ça à peu près le tarif d'un abonnement des 3 jours sur un siège d'orchestre, pas en loge. Eh bien, on trouve qu'il est devenu trop mondain. Il y a trop de monde, il y a beaucoup de laissés-passer, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de journalistes qui l'auront en fait quasiment gratuitement. Et petit à petit, eh bien, on s'aperçoit qu'alors que Garnier a créé un lieu absolument magnifique pour ce foyer de la danse, eh bien, petit à petit, on va le déserter parce qu'il est trop mondain. On se plaint aussi de la tiédeur des aventures et de l'embourgeoisement des passions. Bref, l'époque du grand foyer a quand même un petit peu disparu. Ça n'empêche pas... Alors, il y a aussi le flirt, pardon, on vous en parlera dans l'exposition. Il y a aussi le flirt, c'est-à-dire qu'il y a cette idée d'un changement de mentalité. Autrefois, on allait au foyer pour voir des jeunes demoiselles, mais on allait aussi discuter politique, etc. Et ça, c'est un petit peu passé de mode, puisque maintenant, les abonnés partent en chasse, ils flirtent. Et on flirte dans les 4 coins du théâtre, pas forcément dans le foyer de la danse. C'est ce qui explique aussi ce changement, peut-être, cette désaffection pour le foyer. Il n'empêche qu'en 1900, les danseuses sont toujours perçues comme étant des filles faciles ou des femmes sexuellement disponibles. Voilà une carte postale que vous auriez pu envoyer de Paris à vos amis en province qui montre une loge d'opéra avec des artistes quand même légèrement dénudés. On a toujours affaire à cette idée de l'artiste prostitué. Mais les abonnés ont quitté le foyer. Ils ont quitté le foyer et on va les retrouver désormais dans les loges d'artistes, en sachant qu'il y a très peu de loges. Beaucoup des loges sont encore des loges collectives, encore aujourd'hui d'ailleurs. Les quadrilles, les coryphées n'ont pas de loges. Il faut vraiment attendre d'être première danseuse puis danseuse étoile pour avoir des loges. Le décor y est généralement plutôt de style Pompadour, rocaille, beaucoup de rideaux rouges, beaucoup
de stuc tout autour. Alors, c'est une exposition qui a lieu au musée Grévin, qui s'appelait « Dans les coulisses de l'Opéra Garnier », qui mettait en scène les coulisses de l'opéra. Vous êtes dans une loge, alors certainement d'une première danseuse, qui est accompagnée d'une habilleuse, qui est généralement sa maman, et qui reçoit son abonné, qui est juste là. Vous voyez derrière les petites jeunes qui rigolent, parce que si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a un deuxième personnage masculin caché dans le cabinet de toilette. Voilà. Alors, l'amant de cœur, l'abonné protecteur officiel, le problème de ces danseuses, c'est qu'elles sont obligées de passer par le protectorat de ses abonnés, mais ses abonnés ont largement plus de 40 ans et sont plutôt près des 70 ans. Alors, on peut avoir un ami de cœur, mais cet ami de cœur doit être caché parce que lui est celui qui va faire progresser votre carrière à l'opéra. Il va non seulement vous faire de grands cadeaux, mais il va vous permettre aussi d'évoluer à l'intérieur du corps de ballet. Donc, il ne fallait pas négliger cet homme, et vous voyez comment le jeune se cache clandestinement. On fera le parallèle aussi avec les prostituées en ville, hein, qui ont aussi un ami de cœur qu'elles doivent dissimuler au client, hein, qui est le client officiel. Alors, on se dit bien entretenu. Hein, d'ailleurs, dans la presse, on peut lire « entretenu ». Ah, monsieur, comme vous êtes bien de votre génération, et comme vous ignorez la valeur des mots. Entretenu, non pas monsieur, mais protégée. Et de quelle façon paternelle nous la protégeons? On peut aussi se poser une question, puisque vous voyez ici l'habilleuse, qui est généralement une mère, hein, puisque sinon il faut la payer, ça n'est pas l'opéra qui paiera l'habilleuse au XIXe siècle, donc ça peut coûter très cher. On peut se poser la question du rôle des mères, qui sont très présentes à l'opéra, qui accompagnent les jeunes filles, qui attendent avec elles dans les couloirs, qui assistent aux leçons de piano, jusqu'au moment où elles y sont... Alors, on dit leçon de piano, même s'il y a un violoniste. Hein, c'est souvent un violoniste, mais on parle de leçon de piano. Elles en seront chassées, d'ailleurs, parce que la rivalité entre les mères est très, très présente, et donc elles finiront par être évacuées des leçons de piano. Quel est leur rôle? Est-ce qu'elles sont là pour protéger leurs filles, ou est-ce que finalement elles jouent ce qu'on appelle le rôle de la macasse, hein, c'est-à-dire la tenancière de bordel? On peut vraiment se poser des questions. En 1841, Nestor Roqueplan note que le foyer de l'opéra est devenu un salon et que les mères de l'endroit regrettent le temps où c'était un bazar. On y parle plus d'amour que d'argent. Donc on a vraiment aussi cette ambiguïté du statut de la mère à l'opéra, voilà, la mère des petites cardinales qui va véritablement mettre ses filles sur le marché de la prostitution. Mais l'opéra ne sera pas à l'abri de toutes les réflexions qui vont naître autour de la prostitution à la fin du XIXe siècle et les problèmes de moralité qui vont déteindre, hein, progressivement sur l'opéra. L'abonné prédateur, pour Forain, avec cette image, c'est vrai. Progressivement, on va entendre des voix qui vont s'étonner de ces situations et qui semblent poser des questions morales autour des activités, notamment à cause de la présence des très jeunes enfants à l'opéra, puisque lorsque vous faites vos classes, vous avez entre 10 et 14 ans pour les premières coryphées. Donc on parle bien de mineurs de moins de 15 ans, voire même d'enfants de moins de 10 ans. Très souvent, on rentre à l'opéra vers 8 ans pour les plus jeunes. Nous avons le droit de trouver mauvais que l'administration de l'opéra ne fasse rien pour empêcher que les fillettes de 10 à 12 ans ne soient journellement exposées à voir et à entendre ce qui se passe aux abords de la loge des figurants. Extrême jeunesse des danseuses, et qui sont entraînées finalement par les plus grandes. On raconte cette anecdote à l'opéra, les demoiselles du second quadrille ayant institué entre elles dans leur loge un concours de beauté, comme Frinet, opéra d'ailleurs joué à l'opéra, s'exhibèrent devant leurs juges, sans tutu. Les juges, n'arrivant pas à se décider, décident de faire entrer une enfant de la petite classe, sans tutu. On parle bien d'enfants de moins de 10 ans, hein, la plupart du temps. Cependant, le directeur semble trouver cela bien, puisqu'il laisse faire. On ne doit pas permettre que des enfants, uniquement parce qu'elles sont pauvres et dans l'obligation de gagner leur pain, soient condamnées à subir les conditions d'existence matérielle et morale que je viens de signaler en les atténuant. Donc on commence à entendre des voix quand même se protester. On proteste contre cette sorte de patronage des plus vieilles qui va entraîner les plus jeunes vers la prostitution, mais aussi la pression de la hiérarchie, parce que outre les abonnés qui
offre des cadeaux. Il y a aussi la hiérarchie qui est présente et à qui vous ne pouvez rien refuser si vous voulez monter dans le corps de ballet. Donc tout ça pose évidemment d'énormes problèmes. Monsieur Messager et Broussant sont des véritables tenanciers de Parc des Cerfs, peut-on lire par exemple dans la presse en 1911. Mais tout le monde n'est pas d'accord, comme d'habitude. Il y a ceux qui disent que la danseuse mariée, ça sent trop le pot-au-feu. La danseuse mariée, ça sent trop mauvais. Roqueplan disait ça. En fait, derrière cet abonné, il y a une idée. L'idée, c'est que l'opéra appartient à l'abonné et que la danseuse est à l'opéra, donc elle est à moi. Il y a vraiment cette idée-là et il le prouve inopinément en allant visiter les loges collectives des très jeunes notamment et l'administration va les conforter là-dedans puisque en 1913, on interdit l'entrée des loges aux mères de ces jeunes filles. Donc là encore, on peut se demander quelle est la situation. Image qui vous montre la tenue légère. N'oublions pas non plus qu'au XIXe siècle, les jeunes filles n'ont que peu de points d'eau à l'opéra et que ces points d'eau se trouvent dans les couloirs. Elles doivent donc, en très légère tenue, se promener dans les couloirs, sous l'œil, bien sûr, des vieux abonnés qui se promènent un peu partout dans l'opéra. Tout ça pose problème. Alors, il va falloir réagir. C'est très tardif. Il faudra attendre la direction de cet homme, Jacques Roucher, qui va être directeur entrepreneur de l'opéra de 1914 à 1944 et qui va progressivement tenter de couper l'accès au foyer de la danse. En 1927, il va fermer la porte de communication entre l'opéra, la scène, qui permettait ensuite d'aller au foyer. Le vide-bouclier, le lendemain dans la presse, on pourra lire « Les abonnés de l'opéra n'auront-ils plus le droit d'approcher les danseuses ? Ils menacent M. Roucher d'un procès. » L'affaire prend de telles ampleurs qu'il y a une pleine page dans le New York Times du 5 février 1928. Roucher est obligé de rectifier le tir et il va expliquer aux abonnés qu'il est en train de ménager un passage latéral qui permettra aux abonnés de se rendre dans le foyer sans passer par la scène. Tout ça n'est qu'une excuse pour progressivement fermer le foyer. Il est soutenu en ça par Serge Olifard, son directeur de la danse. Mais la fermeture du foyer ne sera effective qu'après une longue politique de petits pas. Ça va être extrêmement difficile. Un petit pas et pas le chorégraphe, un petit pas. Je ne l'avais pas vu. Alors, les étoiles, pour finir avec cette histoire de prostitution. Les étoiles du ballet se marient parfois dans l'aristocratie. Ce sera le cas de Marie Taglioni, ce sera le cas de Fanny Esler. Mais plus on descend dans la hiérarchie, et plus les hasards de la vie étaient grands. Cependant, tout au long du siècle, on va voir progressivement s'affirmer une régularisation de la situation. Les danseuses se mettent en ménage. Elles vont finir avec leurs camarades danseurs, choristes, musiciens. Elles vont finir par se marier en bonne et due forme. Les abonnés, bien sûr, s'en plaignent. La prostitution légère occasionnelle, telle qu'elle se pratiquait volontiers au foyer de la danse, va devenir vraiment le fait d'exception. Le cœur des abonnés se lamente. Hein. Mais peu à peu, la danse va surtout être connue comme un art, comme un métier. Et un métier qui est extrêmement exigeant, avec des temps de travail très longs, des contraintes horaires très très importantes. Et en fait, on va se retrouver dans la situation d'artistes qui n'ont pas le temps pour mener une double vie. Et la prostitution se retrouvera naturellement, avec l'augmentation des salaires à partir de 1912, éjectée très, très progressivement de l'opéra. Mais ira se réfugier dans d'autres lieux, comme les petits théâtres, les music-halls, les lieux de revue. Situation difficile et qui va perdurer dans le temps, très, très longtemps. Voilà, quelques mots sur cette situation très particulière des danseuses à l'opéra et de la prostitution à l'opéra.